Hey! Alors aujourd'hui on va faire des expériences, c'est parti! Eh oui! Expérience numéro 1! Hey! Alors pour la première, il nous faut du poivre, creuse, je sais pas comment elle s'appelle, coton-tige, et non plus je sais même pas, de vinaigre et d'eau. C'est parti! Alors d'abord on va mettre de l'eau dans une assiette creuse. Je suis désolée, je me suis trompée. En fait, on a besoin aussi de liquide vaisselle et pas d'eau. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va venir mettre du... Comment ça s'appelle? Ah oui, du vinaigre dans une assiette sans eau parce que tout à l'heure, je m'étais trompée. J'aime pas trop à manger ça, moi. Non, on va pas le manger. Des rigolades. Bon, personne n'en met pas beaucoup, nous, mais après, c'est comme vous voulez. Attends, ensuite, on va, voilà, on va faire ça. Maintenant, on va mettre du poivre. Ça sent bien. Ah, j'aime pas l'odeur du poivre. Ça fait mal, là, mal, vraiment mal à l'œil. On vient de l'ouvrir. Ça va? Ouais. Ah non, mais l'odeur là, j'aime pas du tout. On va mettre du coup dans notre récipient, dans notre assiette. Oh, mal à l'œil, faut pas regarder ça. Ah, moi c'est mon nez là qui me. Ensuite, on va filmer tout ça. En fait, on l'a fait, mais le problème, c'est que ça n'a pas filmé, la vidéo, elle s'est supprimée, donc on va vous dire un peu le récap. C'est que la première fois qu'on l'a faite, ça n'a pas marché. Du coup, on a fait une deuxième fois, ça n'a pas marché. Maintenant, on va vous filmer la troisième tentative. Et désolée de ne pas avoir pu vous filmer le reste. Donc, la prochaine tentative, c'est de mettre de l'eau. Une fois que vous avez mis l'eau, ajoutez le poivre. Bon, on va prendre l'autre côté, parce que là... Et ensuite, sur notre coton-tige, qui est là, ajoutez du vinaigre. C'est ça, regarde, vous voyez? Un, deux, trois. De trois, elle marche. Non. Ensuite, maintenant, on va essayer avec du savon. Ah oui, c'est vrai, on a oublié le savon. Ah, t'es souhaité. Un, deux, trois. Bon, cette expérience, elle marche pas. N'essayez pas chez vous. Goodbye. Il faut pas mettre de l'eau. Pour la prochaine expérience... On aura également besoin de... Passe-moi un peu du liquide. On aura également besoin de... Comment ça s'appelle? Ah oui. De vinaigre ou je sais plus trop quoi. Et d'un œuf. Par contre, le résultat, ça, on vous le mettra en partie 2. Donc pour la prochaine, comme je vous disais, on aura également besoin de ça, de vinaigre, d'œuf. Mais on va en prendre que... On va faire que un. Et d'encre. Mais nous, vu qu'on n'avait pas, on a pris ça. Donc finalement, on va prendre que un œuf, on n'en fait que un parce qu'on sait que ça se casse de suite après. Pardon. Donc pour la première, vous allez mettre un œuf dans un bol et vous après, allez recouvrir de ça du coup. Oui, comme ça. Normal que ça se pas besoin de le recouvrir. Hein. Nous, on a mis à la moitié de l'œuf. Voilà. Une fois qu'on a mis à la moitié de l'œuf, Alissa, elle n'a pas voulu faire ça parce qu'elle avait peur de se rater. Du coup, avec un feutre, on va venir colorer le truc, le vinaigre. Nous, perso, on a choisi du rouge, mais c'est vraiment la couleur que vous voulez. Ouh, doucement. Et en fait, cette expérience, c'est vraiment les goûts et les couleurs, c'est pas du tout les mêmes. Attendez, je vais oublier de vous dire quelque chose. Et vu que l'odeur du vinaigre, elle sent pas bon du tout, même pas un marin, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un... parfum, mais genre qui va reprendre tout. On a fait un parfum. Du coup, on a pris un parfum rose, comme ça, c'est de la même couleur. Ça pue? Non, tu m'en demandes d'aller. Pardon. Au contraire, ça sent bon. Ouais. En plus, ce parfum, il sent fort, donc c'est parfait. Finalement, on a rajouté un œuf dedans. Et on va rajouter du colorant parce que dans celui-là, il n'y en avait pas assez. Je crois qu'on va prendre un autre bol. Prends un autre bol, c'est mieux pour le tien. Ouais. Mais moi, je... J'arrive pas, moi, c'est abusé. Pyjama. Mais c'est abusé, j'arrive pas à le colorer. Hein. Il y a plus de l'eau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une colorée, donc ce sera le mien. Et un transparent, ce sera lui d'Alissa. Ah ben... Pour Alissa, on va lui mettre du vinaigre comme ça. Donc comme ça, il est déjà un peu coloré. Ah oui, putain, il est coloré, puré, pardon. Il est très beau. Ah, coloré. Bah, va être beau, ouais. Il va être très beau, ouais. Oh, par contre, il pue. Tiens, on va se mettre du parfum, parce que là, il en a besoin, franchement.
ça pue. Donc franchement, donc, j'espère que ça va marcher. Parce que le mien... Le mien, oui, je sais, parce que je l'ai déjà testé. Voilà, comme ça, vous l'avez vérité, je l'ai déjà testé. Ne pas toucher. Et par contre, avec Alissa... Non, je le tiens, du coup. Ne pas toucher. Attends. Là, il faut attendre un peu le tien. Ouais, c'est pas encore. Moi non plus. Waouh. Bon, il faut le laisser 48 heures. Écoutez. Oh. Mais vu qu'il faut le laisser 48 heures, bon, on le laisse 48 heures. Mais du coup, pour le laisser un peu moins, donc pour le laisser 24 heures, regardez ce qu'il faut faire. Il y a une trousse normale. Vous le recouvrez d'aluminium. Regardez. Bon, faut pas abuser d'aluminium non plus, mais faut pas le laisser la vie. Il y a plein de trous et un bout d'intérêt. Je peux le poser par contre. Tiens. Oh, le poivre, j'arrive pas à en passer l'odeur, elle est bloquée dans mon nez là. Donc malheureusement, on est tombé sur un fail la première expérience. Maintenant, on va voir la deuxième. Donc la deuxième, le résultat, vous l'aurez pas maintenant, mais dans la partie 2. Oui, il y a trop de bruit. Ouais, c'est très bruyant. Ça. Et on met de côté et on vous dit à demain. Alors là, on est quelques minutes après, ouais, quelques minutes et encore quelques secondes. Donc on les a mis dans un verre, comme ça, c'est le recouvrir plus. Alissa, elle a décidé de mettre un papier au-dessus, mais moi, par contre, j'ai mis de l'aluminium où j'ai fait quelques trous pour que ça passe plus vite. Et donc, du coup, on voulait vous filmer un peu parce qu'on voulait rajouter du savon. Donc, bah écoutez, c'est parti. Du coup, on y va. Du coup, c'est bon, on l'a mis. Enfin, on va le mettre plutôt. On l'a pris. C'est qui? Donc, on a pris ça comme savon. Il sent trop bon. Ça. Le verre. Donc écoutez, c'est parti, on va vous poser quelque part. Donc vous allez pas très bien nous voir. Tiens. Mais bon. Donc on va lever le truc. Regardez, ça a pris la forme. Regarde le de toi. Oula. Qu'est-ce bon allez, écoutez, c'est parti. Imagine, ça marche pas. On va voir le savon. 1, 2, 3. J'ai jamais vu ce que ça fait. Regarde, on va faire. Regarde dedans. D'accord, alors un œuf avec du vinaigre et du savon est cool. Ouh, regarde. Mais non, il ne coule pas toi. Il y a un poil qui arrive. Donc moi je me dis, il y a deux, trucs qui peuvent arriver. Un, celle que j'espère qui arrive, il peut devenir rebondissant, je ne sais pas où il se cassera pas. Pourquoi? Deux, bah, il devient quand même pas rebondissant. Et tout celui de toi? Non, il est pas bien, les deux moi, ça je vais toucher de toute façon. Je peux toucher. Oh, le mien. Bon, on va essayer de le remettre, on revient. Alors, du coup, on vous dit à demain. Féro. À demain. À demain. Viens-moi. On vous dit. Elle en est même pleine de savon. Allez, goodbye. Alors, nous, on prend nos affaires et on part.